Thank you.
pour voler nos minéraux, pour voler nos terres, pour voler en même temps les organes. Même un mort en Afrique, quand il décède, il faut maintenant que les parents en Afrique ouvrent le cercueil et vérifient, enlèvent les vêtements pour vérifier. Parce qu'ils volent même les organes des morts. L'Afrique va mal. Et les Africains doivent ouvrir les yeux grandement. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Nous avons affaire à des reptiliens. Nous avons affaire à des démons. Des gens qui n'ont pas de cœur. Regardez la vive allure que le monde est en train de partir. Maintenant, on nous ramène la pédophilie à l'école. Mais c'est grave. Mais les gens doivent ouvrir vite leur pensée. Car l'esprit de l'homme noir est endormi. L'aliénation totale. L'Afrique va mal. Trafic d'organes. L'homme blanc barbare, spécialiste dans le vol. L'homme blanc barbare, spécialiste dans le désordre. L'Africain doit comprendre que l'homme blanc, c'est pas son ami. L'Africain doit comprendre que l'homme blanc est une menace pour l'homme noir. Trafic d'organes des migrants. Oui, nous allons en parler et nous verrons des vidéos, mais c'est aberrant. Trafic d'organes. L'homme noir devient une voiture. L'homme noir devient une marchandise. Les noirs devront ouvrir vite les yeux. Car tant qu'ils n'ouvriront pas les yeux, l'homme noir risquera de disparaître. L'homme noir risquera de ne plus voir la route. L'homme noir risquera de perdre son identité totale. Il n'aura plus de terre. Et l'homme noir risquera de disparaître parce que le plan de l'homme blanc barbare, c'est de faire disparaître l'homme noir. Ils veulent une Afrique sans les noirs. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Les dictateurs en Afrique, ils ne gagnent pas aux élections, mais ils sont là. Et les migrants, ils en ont marre, ils partent. Mais le peuple noir devra ouvrir les yeux grandement. Nous vivons une époque catastrophique. Mais l'homme noir doit ouvrir les yeux. Mais s'il n'ouvre pas les yeux, l'homme noir va disparaître. Parce que c'est le plan de l'homme barbare. L'homme blanc barbare veut que l'homme noir disparaisse. L'homme blanc barbare est un voleur d'organes. Les organes sont vendus vachement cher de l'homme noir. Les organes de l'homme noir sont vendus très très cher. L'homme noir, s'il ne prend pas conscience, que deviendra sa vie? Si l'homme noir ne comprend pas qu'il est en danger, qu'est-ce qu'il deviendra? Nous allons suivre quelque chose très important. L'homme noir doit ouvrir ses yeux, car l'homme blanc, il a tellement volé en Afrique
les minéraux. Mais maintenant, l'homme blanc, il ne voit pas que les minéraux en Afrique. Il voit maintenant aussi les organes. Mais l'homme noir, ouvre tes yeux avant que tu disparaisses sur la surface de la terre, parce que l'homme blanc barbare, il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas ce que c'est la pitié. Le blanc barbare, lui, il connaît ce qu'on appelle voler. Car voler, c'est dans son sang. Car voler, c'est dans ses mœurs. Attention, ouvrons les yeux, peuple noir. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. L'heure, elle ne doit plus être grave pour le peuple noir. Mais l'heure devrait être grave pour les voleurs d'organes du peuple noir. Le peuple noir est le peuple Shaka Zulu. Le peuple noir est le peuple Kunta Kinte. Le peuple noir est le peuple Simon Kimbangu. Le peuple noir est le peuple de Nkipavita. Le peuple noir est le peuple de Nelson Mandela. Le peuple noir est le peuple de Winnie Mandela. Le peuple noir est le peuple de Patrice Lumumba. Le peuple noir est le peuple de Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara. Le peuple noir est le peuple de Fulbert Yulu. Le peuple noir est le peuple de Grégor André Massoua. Le peuple noir est le peuple de Ange Diawara. Oui, nous allons suivre. Nous avons rencontré Akol dans un quartier populaire du Caire. Comme beaucoup de clandestins ici, ce jeune Soudanais de 25 ans rêve de refaire sa vie en Angleterre. Pour financer son voyage, il a vendu son rein 10 000 euros à une organisation mafieuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Voilà la cicatrice. Elle me fait encore mal un an après. Je suis resté 3 jours à l'hôpital, mais quand je suis sorti, ils ne m'ont donné que la moitié de la somme prévue, 5 000 euros. Quand j'ai réclamé le reste, ils m'ont tabassé et ont dit qu'ils me tueraient si je revenais. Akol a été victime d'un réseau mafieux qui propose de greffer à de riches clients venus du Moyen-Orient les organes de clandestins qui vivent dans la misère. C'est la grosse erreur de ma vie. Je voudrais revenir en arrière. Maintenant, ma santé est mauvaise. Je ne peux rien porter de lourd. Je fatigue vite. Je ne suis plus le même. Et après toutes ces épreuves, vous avez encore envie d'immigrer vers l'Europe? Si j'avais l'argent pour traverser la Méditerranée, oui, je le ferais. Mais les passeurs demandent 35 000 euros, donc je vais sans doute rentrer au Soudan. Les 5 millions de réfugiés qui vivent en Égypte sont une proie facile pour les réseaux mafieux. Syriens et Irakiens sont aussi victimes de ce trafic. Les transplantations ont lieu dans des hôpitaux modernes comme celui-ci, où Akol a été opéré avec la complicité des médecins. En caméra cachée, une journaliste a révélé leurs pratiques. J'ai un ami saoudien qui a besoin d'un nouveau rein et je lui ai dit que je l'aiderais. Vous seriez capable de lui trouver un donneur?
Ça va coûter cher. Oui, mais il est prêt à payer. C'est combien ? 50 000 euros. D'accord. À chaque opération, le chirurgien et son équipe touchent 35 000 euros. Ici, la clinique effectue une prise de sang sur une réfugiée afin de vérifier si son groupe sanguin correspond à celui de l'acheteur. Nous avons pu rencontrer l'un des intermédiaires de ce trafic organisé. Il est lui-même soudanais et dit recruter 3 vendeurs d'organes par mois. On fait signer au donneur une déclaration selon laquelle il ne reçoit aucune somme d'argent. En apparence, tout est légal donc. Mais après l'opération, on verse l'argent discrètement à l'hôpital. C'est juste un business. Tout le monde est d'accord pour le faire. Moi, je ne force personne. C'est au gouvernement de contrôler tout ça. Depuis un an, la police égyptienne a tout de même effectué une 60aine d'interpellations dans des cliniques privées. Mais les hôpitaux publics semblent échapper à ces contrôles, alors que les clandestins prêts à tout pour se rendre en Europe sont toujours aussi nombreux. Voilà, nous avons suivi et nous allons suivre encore autre chose. Mais c'est quand même aberrant. Trafic d'organes. Au 28e siècle, on vole les organes des Noirs. L'homme noir est bon à vendre. Ils se disent que l'homme noir, il peut disparaître de la surface de la terre. Ils se disent que l'homme noir est une marchandise. L'homme noir doit ouvrir ses yeux grandement parce que l'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. L'homme blanc est un pyromane. L'homme blanc est un barbare. Voleur des organes de l'homme noir. Voleur de tout de l'homme noir. Tant que l'homme noir ne comprendra pas, il sera toujours perdu. Oui. Nous allons suivre. C'est grave. 21e siècle. Trafic d'organes. Les Noirs souffre du trafic mafieux, vente de leurs organes par les systèmes mafieux de la communauté internationale du sang, ainsi que les Arabes barbares qui se cachent derrière les religions pour faire immensément du mal, car Dieu ne connaît pas la religion. Dieu ne connaît pas les religions. Dieu, il ne connaît pas. Il ne connaît pas les religions. C'est grave ce qui se passe dans ce monde des hommes.